Ça va être chaud avec le camion.
vérité, je l'avais senti venir, celle-là. Et finalement, c'est une moto. Ouais, ils se sont vraiment échappés. Hein. Tu vas doubler. Inespéré parce qu'il y avait marqué sixième, alors du coup je dois être deuxième avec les pénalités qu'ont eu les autres. C'est ça, le troisième il s'est pris 37 secondes. Bah, ma foi, ça se passe pas mal. Premier au général. Eh ben non. Zut. Une erreur. J'espère juste que ça m'aura pas paumé la sauvegarde. C'est arrivé deux fois aujourd'hui quand même le bug. Hein. C'est... S'il pouvait corriger quelque chose. Allez, on va voir si ça sauvegarde la progression. Eh ben oui. Bon bah c'est cool. Y a rien de perdu, juste un peu de temps.
Théo Clémente. Décidément pas le meilleur sur les départs. Belle erreur de navigation, et encore, je suis dans le mode le plus facile. Alors là, c'est parce que je me suis endormi. Eh, ça va toujours, The Big Mac. Ça donne faim, ton pseudo. Hein. Enfin, ça va toujours, non? T'as vu le temps que j'ai? Aller en Arabie Saoudite pour rouler comme ça. Oh là là. T'as vu qu'il y avait un hélicoptère là? C'est qu'a priori. On est remonté sur quelqu'un. Ah bah oui, oui. C'est pas qu'on est remonté sur quelqu'un. Puis je crois que c'est encore plus. Oups là, c'est encore plus joli en vrai que sur le stream. Puis j'ai pas la meilleure des cartes graphiques hein. Sur PS5, ça sera plus joli, je pense. Enfin, ça sera. Tu me diras. Il y a une chute. Ah non, c'est vraiment très beau. C'est même, tu vois là, quand il y a l'éclair là, c'est vraiment très sympa. Et je me répète, mais en mode simulation, c'est encore mieux quoi. J'ai une RTX 4060, un truc comme ça. Ouais, 4060 Ti ou un truc comme ça. Je vais regarder, je regarde juste après. J'ai oublié.
Le problème, c'est comme je stream en même temps et que j'ai trois écrans allumés, ça tire un peu sur la carte graphique quand même. Je sais pas si on le voit sur le stream, mais les effets de vent dans son t-shirt, c'est quand même bien fait. Ouais. Du coup, faut voir aussi comment ça a été optimisé sur PS5. Parce que c'est ça souvent le truc. Hein. Ah, comme je me suis fait griller. Wow. Wow, c'était chaud. Hein. Ah, puis en plus, il y a une mise à jour. Il y a une mise à jour qui est prête. Je vais pas la mettre parce que sinon, ça va couper le stream. Alors, c'est une GeForce RTX 3060 en fait. GeForce RTX 3060. Allez, on a 7 minutes d'avance sur le deuxième, ça le fait. Oui, mais ça doit être, ouais, je pense. Après, j'ai pas le disque dur le plus rapide du monde. Je pense que je peux accéder, je pourrais gagner un peu de pêche. J'ai hâte que tu l'essayes du coup. Moi je trouve que c'est plus sympa quand il fait beau. Hein. Tu vas voir, l'intelligence artificielle, c'est quand même un large concept. Hein. Non, mais je pense qu'il est... Non, il est optimisé, manette. C'est juste voir comment régler la sensibilité et tout, mais... Bonsoir, Ava. Comment ça va? Eh ben, justement, ça tombe bien, Big Mac. C'est Ava, l'autre jour, qui m'a aidé pour les réglages de manette et tout. Et puis, qui m'a donné plein de tips. Que j'ai mis et que, dont je me suis servi et ça marche. Il a raison sur tout ce qu'il dit. Et Ava, il a tendance à poncer les jeux aussi. Donc, oh putain, les mecs, ils se prennent les arbres méchamment. J'ose pas dire que c'est roulant, parce que tout à l'heure je l'ai dit, et juste après je me suis pris une moto dans la tronche. Là c'est des IA, là. C'est pas des vraies personnes.
Ah ouais, et alors, qu'est-ce que t'en dis, USA? Moi, il y a juste, tu sais, les barrières, quand on les défonce, je trouve, c'est... Par contre, c'est plaisant, hein, de rouler sur des nouveaux territoires, je trouve. Moi, j'ai commencé USA, mais en quad. C'est marrant, je dis ça, il y en a un là. Je crois que c'était Alexandre Giroud qui s'est planté. Non, pas évident, les USA. C'est plus rallye, je trouve. Ça fait moins rallye raid et plus rallye. Puis c'est piégeux, hein. Ouais, plutôt rallye, je trouve. Non, non, les USA, t'es dans le Grand Canyon et tout. La neige, tu l'as en Arabie Saoudite, hein, curieusement. Ça fait un moment que je voudrais vérifier si réellement des fois il neige en Arabie Saoudite, mais à ce point-là surtout, parce que tu vois, les monts de l'Atlas au Maroc qui neigent sur les monts, oui, mais là, il y a quand même des étapes. Bon, c'est vrai, sur le Dakar, apparemment, ils ont eu froid cette année. Ça me paraît bizarre aussi. Mais comme Sabre, c'est des développeurs de SnowRunner, j'ai envie de dire que c'est la neige, c'est souvent ce qu'ils savent faire le mieux. Ouais. Mais on va s'y faire, hein, je pense. C'est parce qu'on s'est vachement adapté à l'Arabie Saoudite. Par contre, j'aimerais bien qu'ils mettent à jour les équipes et puis les pilotes de 2024 sur le jeu, ça serait sympa. Ou au moins qu'on ait ceux de 2023. Ça, dans la réalité, la branche dans la tronche. Ouf. T'as Benavides, il est encore devant, hein. Yo Antoine, ça gaze? Et Ben Runner, c'est de la famille SnowRunner? C'est marrant, SnowRunner, je crois que j'en ai parlé à Antoine ce matin. Mais je crois que je lui ai assez mal vendu le concept. Oui, c'est ça, comme ce matin. Ah, c'est le jeu avant! C'est cool, il y a du monde ce soir pour un samedi, je trouve. Grave. Tu trouves pas que je me débrouille mieux là-bas? C'est clair, hein, je disais, baisser la sensibilité de la manette, sinon c'est compliqué. Puis je trouve la moto quand même plus simple à piloter que les quads. Et franchement, la Aero, elle va pas mal, hein, comme moto. Oui, j'allais trop souvent dans le décor, ouais. Voilà, Chefco, à la vitesse qu'elle est passée. La Honda aussi. Pour le camion. Ah non, non, elle est franchement bien. Non, 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 franchement bien. Et demande à Ava, il a vachement fait la chasse au trésor. Il y a vraiment du territoire à explorer. Au bout d'un moment, tu arrives à mémoriser l'endroit de départ de la. En plus, il n'y a pas une map, hein, il y a des maps.
Et t'arrives à mémoriser l'endroit de départ, mais mémoriser la map entière, c'est chaud quand même. Ah là, c'est méga roulant aussi! Troisième de la spéciale. C'est ça. Il y en a encore plus à trouver aux yeux. Oh. Ah, c'est toujours sur le niveau 28. Hein. T'es à quel niveau là maintenant, Ava? Allez, on lance l'étape. Au niveau des défis, j'en suis à 43 sur 55. Là, je suis en train de me faire toutes les courses avec Polo Kongalves. Ouais, c'est ça. Ah non, non! Ouais, les trésors, c'est pas des véhicules. Oui, c'est des corsa. Oui. Des coffres. Ouais, ça, je trouve que c'est ludique. Et j'ai encore pas essayé la création de roadbook. Ça doit être sympa aussi. Mais. En fait, il y a trop de contenu dans le jeu pour qu'on ait le temps de tout faire. J'aimerais bien pouvoir estimer la durée de vie de ce jeu, mais elle est énorme. Donc c'est potentiellement infini. C'est comme la météo randomisée, c'est cool que tu m'aies dit, Abba. Ça m'a changé un peu la vie sur certaines étapes. Voilà, c'est compliqué, beaucoup de motos, une voiture. Allez, go! On double et on se barre. 140 coffres! Oh punaise! Et tu crois que la map des USA elle est aussi grande que l'Arabie Saoudite? Bah ça c'est cool alors, ouais. J'ai même pas fini l'Arabie Saoudite moi. Ah oui, Ava, est-ce que la carte, elle est complètement découverte? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de nuages quand on a tout débloqué. Tu sais la map où on choisit quel rallye on va faire.
Ouais, je pense qu'aux États-Unis, tu dois avoir des montagnes à contourner pendant un moment. Ça fonce à mort devant. Ah, c'est risqué, hein, mais on peut gagner du temps en coupant. C'est con que la carte se dévoile pas davantage. Moi, je pensais que... Du coup, je sais pas si j'ai tout dévoilé ou pas. Enfin, je veux dire, je sais pas si j'ai débloqué toutes les épreuves. J'espère qu'ils feront l'Amérique du Sud aussi. Hein. Et hop, encore un camion. Ah non, 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 j'en ai pas parlé de ce message. Pff, moi j'ai même pas le temps de les faire, les chasses au trésor. J'ai pas vu combien de temps je suis resté en l'air, mais ça m'a semblé long. Ouais, mais j'aime. Ouais. La Russie en ce moment, je sais pas. Après, c'est pas, ils pourraient faire un truc vachement nordique, parce que quand tu vois qu'ils ont mis des véhicules SnowRunner en plein milieu des trucs du Dakar, ils ont pas l'air d'être à ça près. Ouais, ouais, s'il n'y avait pas tous les problèmes d'aujourd'hui, je suis d'accord, ça pourrait être cool, hein. Alors là, est-ce que ça me le débloque, le truc, ou pas? Ou si, est-ce qu'il y a encore des épreuves 2000... Là, j'en suis où? Non, il doit y avoir d'autres rallyes à faire. Qu'est-ce que j'ai oublié alors comme rallye de 2020? Ça c'est bon. SnowRunner Rally, c'est pas 2020. Ah, il y en a en bas là. C'est pas 2020. C'est pas 2020. Ça non plus. D'après moi, je les ai tous faits, les rallyes 2020. Il les a tous gagnés.
Celui-là, il l'a gagné. Ah, celui-là, je ne l'ai pas fait, mais il n'est pas de 2020. Bye, bonne soirée, merci d'être passé. Ouais, vraiment, là, l'autre allié qui me manque, je vois pas lequel c'est. On va rejouer celle-là. Ouais, bonne nuit à cette heure-là, t'as raison. Ouais, pourquoi je peux pas le démarrer? Compris, c'est la première fois que ça me fait ça. On va faire entretien du véhicule, entretien, tout réparer, confirmer, nouvelle course, sport. Allez, on le tente. Bah c'est la grosse quête. Hein. Mais non, c'est écœurant, il est trop facile.
Ouais, je pense, ouais. Ah, la moto, c'est quand même super sympa, ouais. Mais l'autre jour, c'est parce que je voulais à tout prix débloquer le défi quad, là. Fallait faire 6 000 km en quad, donc fallait que je le roule un peu. Voilà, c'était risqué quand même. Je pense que les suspensions sont bien bonnes. Waouh, il y a eu du déchet là. Ah, si on peut plus se gratter. Dommage. On est en train de créer un petit gap. Il y a eu cette erreur. Ça sonne une autre. Waouh, je l'ai pris de justesse, hein. Ah, j'aimerais bien rattraper Joaquim Rodriguez là. Allez, fonce mon pépère. Bah ça marche, y'a pas de soucis. Mais en vrai, le roadbook, bah, à la limite, il faudra que je streamerai une étape, tu vas voir, c'est hyper simple. Hein. T'as la vitesse qu'ils vont. Le camion et les rochers. Hein. Là, ça roule quand même très, 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 très vite. Trois dessins à droite. Ah! Il y a l'actuel que tu dois suivre, il y a le suivant et encore le suivant. C'est juste pour que tu puisses anticiper. Parce que si tu n'anticipes pas, c'est compliqué. Et puis, en mode professionnel, il défile tout seul, le roadbook. Et en mode simulation, bah, c'est à toi de le faire défiler en appuyant sur le bouton. Et bah, ça complique un peu les choses de le faire défiler, parce qu'il faut bien savoir où t'en es, quoi. Non, non, l'actuel il est en haut. Au milieu c'est le prochain, c'est celui à venir.
Après, il y a peut-être des gens qui font défiler plus doucement puis qui mettent au milieu l'actuel, mais ça sert quasiment à rien d'avoir l'ancien. Moi, je préfère revenir en arrière si je me suis trompé plutôt que d'avoir tout le temps l'ancien devant les yeux. La moto est défoncée. Le problème, c'est que j'ai plus de vitesse. Et voilà. Et je pense que les autres vont faire pareil. Voilà. Allez, encore un, non? Elle est morte, la moto. Elle est morte. À fond, à 130. Mais non! Ouah! Ça d'avoir. Oui. J'aime bien, je crois bien que j'ai oublié. Bon, je suis sûr même. Alors là, du coup. Non, t'as pas une sale tête. Bonjour monsieur. Papa, pourquoi il y a deux vidéos et une vidéo en même temps? Oh là, ah, bah parce qu'il doit y avoir deux joueurs. Ouais, c'est ça, ils jouent à deux. Ah, ouais, il y a... Ouais, ouais. Bisous, bonne nuit. J'aime fort. C'est vrai? C'est vrai ou tu te moques du coup? Après, tu peux pas être tout le temps en roue arrière. Ah, c'est beau ici. Sympa le décor. Oui, oui, comme ça. Alors après, je vais pas me faire tout le rallye comme ça, quoi. Ah, j'aime bien quand c'est comme ça. Le paysage, enfin, certes c'est désertique, mais je kiffe assez. Ouais, en ligne droite ça peut le faire, c'est sûr. Ouf. On est vraiment en bande. Il y a un camion, plein de motos. Allez, je l'avais jamais fait cette étape, mais elle est très très sympa. Hein. Je pense qu'arriver en haut, le paysage va être sympa. Et là, je kiffe. Là, c'est assez kiffant. Bon, je pense que quand on va arriver vraiment tout en haut, ça va partir en cacahuète, non?
apparemment ça va descendre massivement derrière. Ouais, bah je m'attendais presque à pire. Ouh, c'est pas passé loin. Ouh là là. Ouh là aussi. Bah franchement, c'est un numéro d'équilibriste. Ah, je l'avais jamais fait, mais c'est vraiment le pied. Si toutes les étapes du rallye sont comme ça... sur une voiture. Vraiment le genre d'étape où je suis à l'aise. Voilà. Ah ouais, ouais, kiffant. Là, celle-là, vraiment kiffante. Alors là... Ah ouais, ouais, rien à redire. Parce que rien n'est abîmé en plus. De sable. Ça devait arriver, mais si c'est le même genre de paysage, ça me va. Ils m'ont rattrapé dans la côte, j'ai peut-être un déficit de puissance, mais dans la descente, on va voir si on peut rattraper. Ben oui, on rattrape.
Oh là là, le paysage là. Énorme, énorme, énorme. Les couleurs somptueuses. Franchement, j'espère que ça rend bien en stream parce que en réel, là, c'est vraiment classe, classe. Oh, ce rallye est énorme. Ah, j'en voudrais plus, moi, des comme ça. Oui. Énorme. Là vraiment j'adorais ce jeu, mais alors là cette étape elle est vraiment... Je comprends les mecs qui disent qu'ils adorent rouler dans le sable et dans les dunes quoi. Oh, 1,9 secondes, on est encore loin des 3 secondes hein. Revenu. Camion. Bon, celle-là, elle a l'air énorme. Oh, 2,4. C'est chaud d'arriver à 3 secondes. J'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui l'ont réussi le défi 3 secondes dans l'air. 1 minute 4, 1 seconde 4. Ouais, vous aurez corrigé de vous-même. Allez, mon pépère, on y est presque. Là, c'est... Ouh là là, la tempête de sable s'est levée d'un seul coup. Moi, je trouve que c'est tellement bien fait que j'ai presque l'impression d'avoir de la poussière qui m'arrive dessus.
Pour de vrai. Neuf minutes de galère, bah, tu m'étonnes, ouais. Tu l'as fait l'étape que je suis en train de faire là? Le SnowRunner Challenge? Elle est énorme, hein. C'est vraiment très très beau. Hein. T'as fini le Sahara? Avec tous les véhicules, tous les rallyes en mode sport. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Et du coup, tu passeras au mode suivant quand tu auras tout terminé, même les USA. Ah, bon, on change complètement de paysage. C'est là qu'on voit que je suis bien moins à l'aise. Eux non plus. Après, il faut reconnaître, c'est beau, hein, le paysage est sympa, mais yo, c'est piégeux. Hein. J'ai pas compris pourquoi il avait autant ralenti. Des fois ils me font peur quand ils ralentissent. Celui-là je vais en chier. Ah merde. Ah me dis pas ça. Wouah. Rétabli de justesse. C'est joli hein, ceci dit. Ici c'est vraiment très très beau. Pas le temps de faire du tourisme, mais c'est chouette. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, c'est étroit, puis il y a un camion devant. Et des motos au sol. Ah, oula, il reculait juste quand j'arrivais. Devant, j'ai l'impression qu'ils se sont vraiment échappés. Intentionnel là.
En vrai, là, ça va être comme ça tout le long. Parce qu'on n'est pas encore en bas de la descente. Hein. Et je me suis loupé. De plus en plus dans la vallée, hein. On va bien finir par arriver en bas. Il y a un pont? Ah ouais. Yes. Ripolo. Welcome Lord West. I will try it. I do my best. On est presque arrivé en bas. Hein. Ça va être la fin de la spéciale, je pense, quand on sera en bas dans la vallée. Deuxième, allez. Pas si mal. Hein.
Encore un bug, hein. Allez, on relance. Voir si cette étape elle est aussi sympa, puis je pense que ça sera ma dernière étape de la soirée. Magna. Je vois pas pourquoi les autres ils agressent comme ça. Qu'est-ce que j'agresse moi? Oh. Sam Sunderland, il est un petit peu agressif, je trouve. Bon, bah là, c'est bon. Ah, là, c'est pas moi. Ça s'ouvre parce qu'elle est beaucoup trop abîmée. Ah, quand j'ai dit que c'était la dernière, il y a besoin que ça soit la dernière, je crois.
arrivé ce coup-là. On va essayer de rester bien à l'écart. On est vraiment en galère. Donc c'est parti, il va falloir rattraper un peu de temps perdu. À chaque fois, hein, c'est dans ces moments-là que je rattrape. Là-bas, soit ça fait un saut d'enfer de plus de 3 secondes, soit je meurs. Ah, 2 secondes. De la perte de temps. Bah, c'est con, mais celui-là, il me rappelle quelque chose.
en train d'abîmer la moto. Hein. Bien sûr. Ils sont loin devant les autres. Toi, t'y crois ça? Quelle honte. Aïe 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 aïe. Alors. Oh, les suspensions, oui, elles ont ramassé, ils vont s'en douter. Alors, est-ce qu'on peut acheter tous les Polaris? Il y en a combien? C'est 4, oh là là. Ça va faire un budget de fou, ça. Bon. Eh ben, allez, on verra ça demain. Merci à tous ceux qui sont passés, c'est encore une soirée bien cool. Et puis ben, prenez soin de vous, restez au chaud, à bientôt, ciao ciao.